famille. Vas-y. Les Romains devaient s'en servir pour leur coffre-fort. Je suis sûre, quand tu auras vu ma nouvelle découverte, tu comprendras. Ça m'étonnerait. Il y a quelque chose dont j'aime beaucoup, c'est les cailloux. Barbare, regarde, une tête de Vénus. Vénus. Judith, il y a de beauté pour moi que dans la vie, dans ta vie. Pourtant, tu me connais que depuis un mois. Il y a 22 jours qu'on est ensemble. Tu comptes? C'est mon métier. Brut. Les papiers. Bon, avec ça, on peut tenter sa chance. Oui, oui. Mais un conseil. Pars en vitesse. La police enquête. Ça peut tourner mal. Mais on ne craint rien. Demain matin, la bande bouclée. Et en route. Bonne chance, Sakis. Ah, j'oubliais. Hermann m'a téléphoné de Damas. Il y a quelqu'un ici, à Beyrouth, qui travaille contre nous. Et quand? Depuis un mois, paraît-il. Quelqu'un? Qui? Une femme. Femme? Oui. Quelle femme? Hermann ne sait pas grand-chose. Et sinon, qu'elle dit s'occuper d'archéologie. Vieilles briques, sable et compagnie. Son nom? Un nom, ça change si vite. En tout cas, méfie-toi. La demoiselle est dangereuse. Il doit travailler pour les Guesbert. Merci. Moi, ça, c'est acquis. Je suis embêté. Je ne peux pas dîner avec toi ce soir. Pourquoi? Un dîner d'affaires, impossible à remettre. Je pars. Comment on part? Mais pour 5 jours seulement. Je prends ce soir le train de 11h15, mais je reviendrai après dîner chercher ma valise. Et où vas-tu? À Mossoul. Traiter une affaire de terrain. Pétrole. Pourquoi ne m'emmènes-tu pas avec toi? Mossoul t'intéresse? C'est l'accent des ruines de Ninive. Ah oui, malheureusement je ne vais pas jusqu'à Ninive. Les terrains en question sont à 200 km de Mossoul. Dommage. Tu m'en veux pas au moins? Mais non, puisque c'est impossible. Tu comprends, il faut faire vite. J'ai là une documentation complète et secrète sur les gisements récemment prospectés. Avec ça, on peut faire une fortune énorme. À condition de prendre rapidement option sur les terrains. Moi aussi, j'ai fait des petites découvertes. Tu as vu? Ben.
À tout à l'heure, mon petit. Entendu. Une chatouille? Qu'est-ce que tu cherchais là dans ma serviette? Des cailloux? Archéologue! Ah, t'as bien payé ma voix. Dommage que t'aies oublié le balcon. C'est tout? J'ai eu peur. Décidément, tu es très fort. Tu joues ton rôle jusqu'au bout. J'aime ces vieilles choses. Tu as du cran, une certaine facilité, mais dans le fond, maladroite. Vraiment? Quel métier fais-tu? Le même que le tien. Alors, l'archéologie. Oh, mais j'ai mes diplômes. Oui. Seulement, tu préfères le pétrole. Je préfère l'argent. Et pour qui travailles-tu? Gesbert, et toi? Pour moi, tu ne penses pas que je vais risquer ma liberté, ma peau, pour refaire mes tuyaux au prix coûtant, non? Alors, ton but? Réussir. Sur une affaire pareille, je me charge de trouver des millions. Tu vois grand. Ce que tu dis. Tu me plais. Oui, même dans ta canaillerie, tu me plais. Alors, veux-tu qu'on reste ensemble? Veux-tu travailler avec moi, pour moi, pour nous? Comment ça? Le train part à 11h15. Partons ensemble. Je t'emmène, je t'associe, si ça gaze. Par deux, tu veux? C'est à voir. Et oui. Mais si un jour tu as assez de moi, ou moi de toi, tu ne vas pas me proposer le mariage. Oh, ne t'en fais pas, il y a quelque chose qui nous liera. Plus que l'amour, plus que le mariage. Quoi? Business. Va faire ta valise, la mienne est prête.